Oh, ça me gratte. Oh, trop cool, il a fait tomber son portefeuille. 20, 40. Allez, police là, ouvrez-moi. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Apparemment t'as fait plein de bêtises à l'école. Tu t'es même pris une heure de colle. Oh Esteban, achète-moi le dernier album de Washden et aussi l'iPhone 11. Promis, je serai sage. Non, non, n'importe quoi, je t'achèterai pas ça. Pas avant que tu sois sage, parce qu'en ce moment t'es catastrophique. Et c'est quoi tous ces 0 sur 20 à une semaine de la rentrée en plus? Oh, ça me gratte. Ah, oh, ça. Oh, trop cool, il a fait tomber son portefeuille. Alors. Trop bien alors. 20, 40, 50, 60. L'album de Washden. Je vais pouvoir aussi m'acheter des cartes Pokémon. Bon, l'iPhone 11, je crois pas, mais c'est pas grave. Oh, trop bien, allez vite. J'espère qu'il va pas voir que... Bah, qu'il a fait tomber son portefeuille. Bon, je vais garder ça et je vais le laisser où il était. Et hop, ça, je vais le cacher. Bah, tiens, ici, dans ma réserve à bonbons. Hop. Ah, parfait, je suis trop contente. Bon, il arrive quand, là? Il va plus y en avoir en magasin si ça continue. Allez, c'est bon. Ah, ça y est, t'es arrivé, t'es là? Bon, on se dépêche parce qu'il va plus y en avoir en magasin, là. Allez. On peut y aller, sinon il va plus y en avoir en magasin. Là, j'ai vu ça sur Internet il y a 2 minutes. Attends, mince, mon portefeuille. Mon portefeuille, c'est toi qui me l'as pris. Il a dû tomber dans la rue, c'est pas possible. Oh non, je vais pas pouvoir acheter ce que je veux. Oh, mais c'est pas possible, il a perdu son portefeuille maintenant. Eh oh, portefeuille, portefeuille, t'es là? Oh non, non, je l'ai perdu. Attends, la dernière fois que je l'avais touché, dans la chambre de Lily Rose. Ah, ça tombe, c'est elle qui me l'a pris. Bon, il faut que je change d'habit. Comme ça, je vais aller au magasin toute seule. Je vais même prendre le métro toute seule. Mince, il arrive. Je sais ce que t'as fait, Lily Rose. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai glissé sur mon portefeuille. Alors... Non mais c'est bon, c'est pas moi. Il est vide. Je suis sûr que c'est toi qui as tout pris, Lily Rose. Non mais c'est bon, c'est pas moi. Il y avait je sais plus combien à l'intérieur. Ah, oh, ça a disparu et comme par hasard tu voulais t'acheter des trucs. Je suis vraiment déçu de toi. C'est toi qui l'as juste fait tomber et je sais pas, les billets, bon je sais pas où ils sont passés. Peut-être que t'as mal cherché. En plus t'arrêtes pas de te changer là qui est... Oh. Je vais me venger et même je vais appeler la police pour ça. Espèce de petite voleuse. Et en plus tu oses te défendre. Regarde ça, il n'y a plus un sou dans ça. Il manque même mes cartes, tout. Ah bah c'est bon, c'est enfin prêt. Non, c'est pas prêt du tout. Finalement on va au commissariat parce qu'on va porter plainte contre Lily Rose. Et je veux que la police se déplace. C'est hors de question de laisser ça comme ça. Elle m'a tout pris, elle a pris tout ce qu'il y avait dans mon portefeuille. Et je sais très bien que c'est elle. D'ailleurs, petites images maintenant de la caméra de surveillance. Tiens, elle l'avait pas prévu ça, hein, que j'ai installé ça dans sa chambre. Oh, trop cool, trop cool, trop cool. Allez, allez, oh, trop bien, je vais pouvoir m'acheter le CD de Washden. Mais non, Esteban, on va pas faire ça quand même. C'est ta sœur, elle t'a pas volé quand même. Ou sinon, si elle avait... Non, non, cette fois, on va appeler la police et c'est tout. Bon, attends, Esteban, j'ai une petite idée qui va peut-être lui faire peur, là. Salut, c'est Maurice, je suis le petit policier. Je débarque en voiture, vous avez peur, faut pas flipper. Je viens chercher Lily Rose, elle a fait une petite bêtise. Ouais, t'inquiète même pas, je vais. Ha ha ha. Salut, c'est Maurice, le petit policier. Hey, salut, c'est Maurice, petit policier. Y a quelqu'un qui cherche les problèmes ici? Allez, police, là, ouvrez-moi. J'ai été appelé pour une affaire grave, là. Ouvrez-moi vite. Oh non, la police. Tout ça pour 60 euros. Eh oui, tu pensais m'avoir comme ça? J'ai appelé mes amis de la police. Et toi, bah, tant pis pour toi. Ciao, ciao, ciao. Y'a quelqu'un ici? Oh non, là, il faut que je barricade ma chambre. Je peux pas les laisser entrer comme ça. Bon, une chaise. Bon, même s'ils ont plein de trucs pour ouvrir des portes, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va faire l'affaire. Je vais rester assise là et...
Ouvrez-moi, ouvrez-moi, je sais que vous êtes là. On n'a pas le droit d'interdire la police de rentrer. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. C'est pas bien. À la honte. Ah non, je suis policier, vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui vous arrive là? Hein? Qu'est-ce que vous venez de faire? Non. On m'a appelé parce que il y a eu un vol de fées là. Un vol, c'est bon, j'ai 10 ans. Non, je veux pas savoir. Oui, où est l'argent? Vos cheveux là, tout moche. Tu fais moi la maline maintenant. Tu t'es fait attraper par la police. Je te l'avais dit, il faut pas jouer avec moi comme ça. Bon, vous êtes en état d'arrestation. Mettez les menottes. D'accord. Et mettez ça aussi. Non. A few moments later. Allez, c'est bon, maintenant je t'embarque, ça va pas aller ma petite, hein, ouais, tu vas pas sourire alors, hein. Bon ma petite, là, où est-ce que t'as caché le trésor? Parce que si tu me le dis pas, c'est prison directe. Ok, bah je vais vous le dire, on rentre chez moi, allez, vite. Tout de suite là. Oui. Allez. Oui. Oh non, elle s'enfuit, elle va jamais rendre le trésor. Bon allez, là il me trouvera jamais. Trop cool, je vais rester là. Ah, j'ai vu où elle était cachée là. Allez, viens ici toi. Allez. Allez, hop, on y va. On rentre. Non. Allez, par ici, tu vas rentrer chez toi. Ouais, bon, je vais te les donner et après, après tu me laisses tranquille, d'accord? Non, tu vas d'abord me les donner. Allez. Oui, et après tu me laisses tranquille. Et tu régleras tes comptes avec ton frère. Ouais. Bon, bah maintenant, je vais récupérer mon argent. Ah bah tiens, cette boîte, hein, c'est bizarre, elle a été bougée. Ah, dedans, il y a ça. C'est bizarre, hein. C'était soi-disant pas Lily Rose qui l'avait. De toute façon, maintenant, elle est entre les mains de... Georges, le petit policier. Allez, tu vas me donner tout ce que t'as appris. Oui, d'accord. C'est où? C'est là, mais quoi? C'est plus là? Comment mais je ça, vous promets, c'est plus c'était là. Là. Je vous promets. Tu m'entourloupes là? Non, je vous promets c'était que c'était là. Oui, ben, mais Stéphane, il bien. A dû le prendre, il a dû chercher. Je te promets. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre et certaine. C'est un coup d'Esteban? Oui, j'en suis sûre. Bon, allez, vous voulez pas rendre? Allez, hop, en prison direct. C'est comme ça. C'est Esteban qui l'a pris. Non, je te crois pas. Et bah voilà, mon coup a réussi. Débarrassé de Lily Rose. Allez, ciao. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine, bye. Lâche un like.